Là, par exemple, si je vais la nouvelle Zoé, l'autopilote, je lâche le volant, ou je touche un petit peu là, un détecteur de sensibilité. Ah, pas celui-là, parce qu'il est pourri. Hein. J'espère qu'ils ne mettront pas un volant comme ça, parce qu'ils vont, oh, pas la honte. Mais vous touchez un peu le volant, la voiture détecte que vous touchez le volant, donc c'est principal. Et l'autopilote, lui, il va faire comme ça, il va, hop, ça bouge un petit peu, dans un sens et dans l'autre. Toujours dans le bon sens. Et voilà. Et ça participe, ça doit pas, enfin je connais pas, hein, j'ai jamais conduit de voiture comme ça, mais ça doit participer drôlement à l'aspect encore plus décontracté dans une voiture électrique. Ça doit être vraiment ce qui amènerait les personnes à voyager, tout simplement. Parce que vous n'avez plus la contrainte de la conduite. Je dirais que 50% de la conduite, c'est la voiture qui s'en charge. C'est autant de gagner, hein, sur la fatigue. Et ça vous permet d'observer le paysage. En plus, un régulateur adaptatif. Vous réglez la distance par rapport au véhicule qui vous précède. C'est en secondes. Et puis, une fois que vous avez compris le système, et ben c'est parfait. Ça, c'est le bon côté des choses, de la technologie. Le futur des voitures électriques, ce sera des écrans de plus en plus importants, de plus en plus imposants. Et au fur et à mesure que la technologie permettra l'autonomie dans le déplacement du véhicule, que de lui-même va prendre des décisions, prendre le rond-point par exemple, dans quelques années, ce seront les voitures qu'ils feront d'elles-mêmes, en respectant toutes les consignes de sécurité. Donc, on aura du temps libre dans la voiture. Il y aura toujours le volant, peut-être même un volant rétractable, puisque c'est en projet. Et du coup, soit qu'on s'enferme dans la bulle, on s'isole de l'extérieur, et on bénéficie de l'avantage des écrans partout, qui vont faire un défilement de paysage complètement différent de ce que l'on voit ici. Ça peut être un bord de mer, ça peut être un éléphant qui se déplace là, une baleine dans l'eau, bon, n'importe quoi. Mais tout est possible de toute façon dans la réalité virtuelle. Oh bah, un sacré bouchon. C'est une batterie. Non, je plaisante, c'est pas une batterie, mais non. C'est une maison sur roues. Vous voyez un petit peu l'avenir, comment ça se présente. Petit à petit, dans le futur, les panneaux disparaîtront. Il n'y aura plus de feu rouge, feu tricolore, il n'y aura plus de stop. Tout sera connecté, interconnecté, là, les routes. Il y a la maison et puis le petit tractopelle pour faire le petit trou pour mettre la maison dedans. Et ben, pour planter les tomates, c'est bien ça. Ah, il tourne pas électrique lui. Hein. Ils font des bulldozers, enfin, des engins de chantier hybrides. Ça y est, c'est parti. Volvo principalement. C'est surprenant entendre. Hein. Vous avez des vidéos sur le sujet. Quand on s'intéresse à plein de choses, c'est facile de trouver. Et même des engins de minage, les gros, hein, les Caterpillar et compagnie, là, autonomes, pas de conducteur à l'intérieur, pas de chauffeur. Vous avez un énorme engin, il fait 600 tonnes. Vous dites qu'il y a quelqu'un dedans. La cabine est en hauteur, hein, perchée à 20 mètres de haut. Complètement climatisé tout ça, mais il n'y a personne dedans. Et vous avez vous savez, les gros engins de chantier avec les roues énormes qui se garent à côté avec une précision incroyable, et ben il n'y a personne dedans. Voilà, ça touche tous les domaines. Donc là, pour l'instant, c'est au stade, c'est plus des prototypes, c'est exploité. Exploité à titre expérimental, donc ce sont des mines, c'est utilisé en nature, en vrai, hein. Ce ne sont pas des engins qui tournent pour rien, ils sont toujours avec des moteurs thermiques, et le pilotage se fait par des robots, ce sont des robots,
c'est impressionnant à voir. On n'arrête pas le progrès, rebelote. Alors, vous voyez, clignotant défilement, tiens, la Volvo, là. Je me demande si ça va être ça sur la Zoé. Ça fait une barre orange complète qui s'allume. Là, d'accord, c'est un clignotement. Si c'est un défilement, ça fait une bande qui commence du début et qui finit à la fin. Ça fait un défilement, c'est plus un clignotant. À voir. En tous les cas, c'est vrai qu'elle a bien progressé. Le style est bien choisi. Hein. On l'appréciera de plus en plus, la nouvelle Zoé, au fur et à mesure qu'on les verra rouler sur la route. Ça, on s'y fera à ces modifications. Je dis pas que ça mettra une claque de style aux anciennes Zoé, non, parce que c'est pas du tout le même genre en fin de compte. La petite Zoé qu'on a là actuellement, elle a une bonne petite bouille. Et la nouvelle Zoé, petite Zoé qui aura plus tard, bah, elle aura une autre petite bouille. Mais elle sera toujours aussi belle. Voilà, je parle, j'en fais encore une vidéo qui va être longue. Donc toujours 23 degrés, ventilation dirigée en haut et en bas. Réglage de 4 sur la puissance de ventilation. Il fait très bon. Bon, je sais que ici il fait chaud quand c'est température élevée. Par rapport à la campagne, ça grimpe. Alors comme la semaine prochaine, fin juin, ils annoncent 33, 35, 36 degrés. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Hein. Ah, vous voyez, ils disent 3 secondes et demie, je crois, 0 à 50. Là, je viens de donner un petit coup d'accélérateur pour démarrer. Tout le monde est loin derrière. J'accélère pas fort. Je suis en mode économique. À 535 chevaux, qu'est-ce que ça apporte de plus? Plus de puissance au démarrage? On va où, là? Ça sert à quoi? Déjà que je largue tout le monde. C'est une grosse BM qu'il y a derrière, en plus. Les pneus, faut les acheter, hein. Quand même. Même s'ils ont une bonne endurance. Endurance même exceptionnelle, comme les freins. Depuis qu'ils m'ont fait la géométrie, hein, disons, c'est beaucoup mieux qu'avant. Hein. Oh là là, c'est jour et la nuit. Je m'en rendais pas compte. C'est fou quand on s'habitue à un système qui n'est pas bien réglé. Ça fait comme les amortisseurs. Quand ce sont des pompes à vélo, on a l'impression que la voiture elle tient le pavé. Oui, mais ça la rend plus confortable parce qu'elle fait pompe à vélo, justement. Un amortisseur, c'est fait pour raffermir la voiture, pour qu'elle tienne sur la route. Sur la Zoé, ça va, c'est une autonomie, une longévité de 150 000 km, voilà, en moyenne. Ça peut être moins, ça peut être plus. Ça dépend si on fait que de la ville ou de la route. Parce que la ville, ça massacre les voitures, hein. Sur une Zoé, c'est pareil, hein. Les amortisseurs, bien l'aide de direction, s'il y a un bloc, bon, ce seront les seuls éléments qui vont souffrir. Sur un thermique, c'est bien plus que ça. C'est l'embrayage, c'est bien autre chose. Moteur qui s'encrasse. Là, j'ai parlé des diesels, mais il ne faut pas oublier que les diesels, il faut rouler. Si vous achetez un diesel pour faire de la ville, bon, là, vous faites une sacrée belle erreur. Hein. Vous allez voir les problèmes qui vont tomber. Hein. Et c'est cher. Hein. Si vous avez un diesel, c'est pour faire minimum 20 000 km par an. Je dis bien minimum. Sinon, il faut prendre la naissance. Hein. Surtout les diesels modernes, ils ont besoin de rouler. Ça a besoin de tourner. C'est pas économique à ce niveau-là. Ah, c'est sûr. Hein. Là, il y a un Lidl avec une borne de recharge. Jamais je vois quelqu'un recharger sa voiture ici. Jamais, jamais, jamais. Pourtant, c'est une borne gratuite qui marche bien. Vous voyez, c'est pas utilisé à dire, hein, les bornes. Ça fait comme... comment c'est ce pays-là? La Norvège. La Norvège, c'est environ 15% des utilisateurs de véhicules électriques qui utilisent des bornes. 15%, c'est peu. C'est bien révélateur que les gens utilisent un véhicule de chez eux à l'endroit où ils vont et inversement.
ils rentrent chez eux et rechargent. De toute façon, c'est beaucoup plus confortable. L'autonomie, maintenant, ben, 400-500 km, c'est largement suffisant. Pourquoi faire plus ? Voilà, je vais vous laisser là et je vous dis à bientôt. Je vous remercie.